dirigez-vous directement à l'abattoir. Je suis en route. Il y a une bonne chance que le prisonnier soit toujours en vie. C'est là. Une autre. On ne laissera tomber personne. Bien compris, soldat. On peut reprocher beaucoup de choses à la 23 Society, mais pas sa stupidité. Elle est toujours bien préparée. Je reste sur mes gardes. Terminé. Sur mes gardes, terminé. C'est noté. Toi, là, ça va? Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Tiens, une carte magnétique. Quelle porte elle peut bien ouvrir? Je l'ai perdu. Ok, j'ai piraté le serveur des caméras de surveillance, mais apparemment, il y en aurait un deuxième. Franck, je sais où se trouve notre homme. Il est retenu prisonnier dans l'une des pièces à la cave. Compris. Allez-y, soldats. suis dans la cave. Vous me recevez? John? Cole? Salut, petit. J'aurais dû me douter que tu viendrais pour ton frère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils nous ont envoyé tuer des chefs. Mais ça a foiré. Armasi. Il nous a taillés en pièces un par un. Ménagez vos forces, Cole. Je vais vous sortir de là. Ils m'ont injecté quelque chose. C'est si flou. Il y avait un type avec une voix apaisante. Il m'a parlé, m'a expliqué des trucs. Comme j'ai pas donné ce qu'il voulait... Il a dit à Robert de m'amener ici et de me laisser crever. Qui c'était? Qui vous a fait ça? Leur chef. Sergei Flostov. Quoi? Raquel, vous me recevez? Raquel, vous êtes en danger. C'est Flostov, le chef de la 23 Society. Raquel! Putain, il faut que je... Non. Pas la peine, T. Tu ne peux plus rien pour moi. Aide-moi à mourir dignement. Raquel, je vous écoute. Raquel ? Ici Flostov. Où est Raquel ? Comment vous avez eu accès à ce canal ? Elle n'est pas disponible pour le moment. C'est pourquoi je me suis permis de vous parler, monsieur Nord. Où est Raquel, putain ? Là où son talent sera accru et sa force magnifiée, là où elle pourra devenir le super soldat qu'elle est destinée à devenir. Je ne comprends rien, mais je vais voir ce que je peux faire. C'est vous depuis le début. Oh, merci. C'est exact. La 23 Society, c'est moi. Vous êtes très mauvais pour juger les gens, John. Les hommes honnêtes peuvent être si crédules. Où l'avez-vous emmené? Ok, vous êtes libre. Attendez que les choses s'étassent un peu et puis sauvez votre peau. Elle est en parfaite condition comme votre frère. Nous tenons peut-être notre premier couple reproducteur. Nous trouverons des mères porteuses. Vous prenez rien, mais je vais voir ce que je peux faire. Raquel est une machine de guerre trop superbe pour qu'on abîme son physique. Tout ça, c'est rien que des conneries. C'est de la science. Un mélange d'eugénisme, de chirurgie sélective, d'augmentation génétique et de manipulation mentale. Le programme est taillé sur mesure en fonction des individus. Dommage que nous n'ayons pas d'aussi bon levier que Mila. Putain, mais qu'est-ce que Mila vient faire là-dedans? La mort de Mila nous a bien servi pour ce qui est de Robert. C'est nous qui l'avons tué, évidemment. L'enregistrement des cris et des paroles qu'on lui a dictées, très efficace. Robert croyait qu'il perdait l'esprit. On le lui a rendu en l'arrangeant un peu. Oh, bon Dieu. Nous arriverons à quelque chose d'intéressant avec Raquel. Nous nous servirons peut-être même de vous, John. Elle tient étonnamment à vous. En attendant, Armasi, votre frère situé, a transformé votre ami Cole en un morceau de viande à peine vivant et avec un enthousiasme. Je vais vous buter. Il faudra me trouver avant. Et quand ce sera fait, il sera trop tard. Extinction des feux, John. Caput. Le salopard. Il faut la retrouver au plus vite. Reprenez le moindre détail. Contactez tout le monde. J'ai mon réseau ici. Je vais voir ce que je peux faire. Terminé. Ça pue, John. Mais vraiment, je veux dire. Merde, qu'est-ce qui se passe? Les déserteurs nous ont indiqué où trouver Raquel. C'est une bonne nouvelle. Elle est aussi low, John. Difficile d'imaginer complexe plus gardé. Elle doit avoir beaucoup d'importance à leurs yeux. Tu sais ce que ça implique? Ouais, et c'est à gerber. On s'est pas toujours entendu, elle et moi. Mais je suis vraiment désolé. T'en fais pas, c'est une battante. Si elle tient bon... La 23 Society a transformé le silo en véritable forteresse. Il est ultra sécurisé. Tu vas avoir besoin d'aide, mais je me renseigne à ce sujet. On va la tirer de là. Je vais réfléchir à une solution. Terminé.